Bien, bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel épisode du Café Covid au Sud. J'ai le plaisir d'introduire deux collègues qui sont avec nous, Christophe Jalil-Nordman et Isabelle Guérin, mais ils ont réalisé leur papier avec notre collègue Venkata Subramaniam qui est à Pondichéry. Et puis, trois autres collègues, Gaston Bizello, Cécile Mouchel et Arnaud Natal. Alors, leur projet est donc de nous présenter quelque chose qui est un petit peu difficile pour nous dans les sciences sociales qui avons été frustrés pendant un an de ne pas pouvoir faire de terrain. Donc, d'être bloqués à notre tour. Dans cette espèce de sidération de la COVID qui nous a bloqués au sol, confinés. Et donc, ils vont nous montrer comment on peut dépasser ce blocage. Et puis, évidemment, c'est très important pour nous parce que ça va nous donner à réfléchir sur les moyens de mener une enquête, donc un suivi dynamique à un moment unique de l'histoire sociale et économique de beaucoup de localités. Donc, je vous donne la parole, Isabelle et Christophe, et je vous laisse distribuer votre temps en vous rappelant donc que de ne faudrait pas dépasser beaucoup une demi-heure pour qu'on ait le temps de questions et de réponses et que, comme d'habitude, on puisse clore ce café. Au bout d'une heure. Donc, la parole est à vous. Merci, merci Christophe. Bonjour à vous toutes et tous et merci infiniment aux collègues du CEPED pour nous donner cette belle opportunité de partager avec vous nos travaux et réflexions en cours. Donc, on fait la présentation en duo avec Jalil Norman. Malheureusement, Venkata Subramanian n'a pas pu se joindre à nous et même si Christophe les a mentionnés, je les rementionne, l'implication décisive de nos trois jeunes collègues. Gastel Bizet-Bizot, volontaire international actuellement à l'IFP à Pondichéry, Cécile Mouchel et Arnaud Natal qui sont doctorants. Alors, quatre temps suivantes, Jalil. Quatre temps dans cette. Jalil? Oui, j'entends. Voilà, c'est juste ici. Quatre temps dans cette présentation. Donc, des éléments de. Pour démarrer, des éléments très généraux de contexte. Pandémie et confinement dans le contexte indien de manière très rapide. Ensuite, une description de. Ben, j'ai pas, je me suis pas étendue sur le titre, mais l'idée, c'est, comme le disait Christophe, l'idée, c'est de vous présenter un dispositif particulier de collecte de données qu'on a appelé l'observatoire des dynamiques rurales. Le nom m'échappe, je suis désolée. Et des inégalités. Et des inégalités, voilà, centrale. Merci. Donc, un deuxième temps sur la description de cet observatoire. Et ensuite, d'autres types de résultats. Voilà, on a fait un choix un peu arbitraire, mais il fallait bien choisir. Les effets de la pandémie et du confinement sur ce qu'on pourrait appeler l'économie politique de la région. Donc, quelque chose d'assez général. Et ensuite, un zoom sur une question beaucoup plus précise. Les effets de la pandémie et du confinement, en tout cas de la première partie de cette pandémie, de la première vague, sur la question des réseaux interpersonnels. Donc, pour démarrer, quelques mots extrêmement rapides, et vous m'en excuserez, superficiels, sur le contexte général suivante, Jalil, en distinguant la première phase, la première vague de mars à septembre dernier, que l'on peut rapidement et grossièrement résumer à la fois par une ampleur relativement modeste de la pandémie elle-même, et en revanche un confinement extrêmement sévère et brutal, imposé en quelques heures, témoignant à la fois d'un déni et d'un mépris de toute une partie de la population, notamment la main-d'œuvre migrante, qui est pourtant l'épine dorsale du capitalisme indien. Hein, certains estiment que cela concerne environ 100 millions de personnes. À cela s'est ajoutée une exacerbation d'une tendance de fond du parti au pouvoir, l'ultranationalisme hindou, profitant de la pandémie pour ostraciser et responsabiliser un certain nombre de minorités, notamment musulmanes. Quelques filets de sécurité, alimentation, transfert monétaire, pas complètement inutiles. On reviendra sur ce point concernant la sécurité alimentaire, mais néanmoins très faibles et comme très souvent, comme très inégalement distribués et qui doivent aussi être relativisés par rapport à l'ampleur de l'économie criminelle étroitement liée au pouvoir et dont une partie profite largement de la crise.
Tout ceci donne des conséquences sociales et économiques visiblement dramatiques, documentées sous diverses formes. Là, je m'appuie sur le récent rapport State of Working India de l'Azim Premji University qui propose un état des lieux et chiffre ses conséquences. Donc, vous voyez à l'écran une baisse des revenus et perte d'emploi assez nette, que l'on voit clairement sur le graphique. Hein, et avec, en décembre 2020, les niveaux pré-pandémie n'avaient toujours pas été rattrapés, avec des effets plus marqués pour les femmes, les jeunes, les plus pauvres. Conséquences aussi en termes de perte de patrimoine, d'endettement, une augmentation de la pauvreté qui semble dramatique et qui est estimée dans ce rapport à 15% en zone rurale, plus de 20% en zone urbaine. Alors, il y a évidemment X manières de calculer la pauvreté et sa hausse. Je ne vais certainement pas rentrer dans les détails, mais voilà, ce chiffre a le mérite de donner une idée de la gravité de la situation. Sachant que tout ceci est déjà très ancien, c'était la première vague. Depuis, une seconde vague est apparue, cette fois beaucoup plus meurtrière. Vous n'avez certainement pas échappé aux descriptions effroyables qu'en ont fait les médias, largement corroborées par les témoignages de collègues sur place, quoique de manière variable selon les régions. Mais nos résultats ne portent pas sur cette seconde vague, donc je vous propose, le temps étant compté, que l'on y revienne en conclusion, si le temps le permet, ou dans la discussion. Je passe donc directement à l'Observatoire, qui est donc une instance basée à l'Institut français de Pondichéry, hein, dans le sud-est de l'Inde, et largement soutenue par l'IRD. Alors, cet observatoire est en cours de création, vous êtes les premiers à en voir le logo, fraîchement conçu grâce aux bons soins de Gaston, Bizello. Et en quelques mots, cet observatoire vise en fait à formaliser, structurer, institutionnaliser un travail d'enquête que j'avais initié en 2003 lorsque j'étais expatriée à Pondichéry. Et dès le départ, en étroite collaboration avec Venkata Subramanian, chercheur de l'Institut français, et travail d'enquête qui a ensuite été repris par Jalil à partir de 2015-2016. J'ai un doute sur la date exacte. Et notre collaboration nous a incité à formaliser les choses sous la forme d'un observatoire qui, comme me semble-t-il, l'idée, c'est de mener dans la durée un certain nombre d'enquêtes permettant, je dirais, deux choses. De suivre dans le temps long un certain nombre de tendances structurelles, avec ici un intérêt particulier pour les dynamiques sociales, les rapports sociaux, les structures sociales, les inégalités, les réseaux interpersonnels, et des dynamiques économiques, emploi, finances, dettes, patrimoine, et surtout l'entremêlement entre ces différentes dynamiques, permettant de mieux saisir, in fine, les dynamiques de pauvreté et d'inégalité. Et puis aussi de saisir des moments plus conjoncturels. Il y a eu la démonétisation en 2016, et puis il y a aujourd'hui la pandémie. Sachant qu'il n'y a pas de vocation à l'extrapolation et à la généralisation, on est au Tamil Nadu, qui est un des États les plus avancés, entre guillemets, économiquement, socialement. On est dans une région qui est aussi singulière, on va en parler dans la slide suivante, mais voilà, l'idée c'est d'accumuler des connaissances dans la durée permettant d'analyser et de comprendre un certain nombre de mécanismes et de processus. Et puis dernier point sur l'observatoire avant de passer la parole à Jalil, le cœur de l'activité est à l'IFP, Institut français de Pondichéry, mais avec un certain nombre de partenariats existants ou qu'il reste à consolider avec diverses institutions indiennes que je ne vais pas détailler, mais sur lesquels on peut revenir dans la discussion. Jalil, à toi. Isabelle, merci. Donc, en fait, l'Observatoire est, comme l'a dit Isabelle, organisé autour de deux programmes de recherche qui sont de fait interdépendants, l'un porté par Isabelle et un second porté par moi. Donc, à travers des outils de collecte qu'on a voulu mutualiser en Inde rurale, qui sont à la fois quantitatifs, mais aussi qualitatifs, et donc une combinaison de méthodes d'analyse socio-économique qui caractérise en fait donc ce pluralisme dont Isabelle parle. Donc en fait, l'idée, c'est d'avoir un suivi longitudinal des populations dans une région du Tamil Nadu qui est assez centralisée autour de deux districts, de Viluppuram et de Kudalore, mais pas que, puisque l'idée étant de suivre ces populations, les populations se déplaçant. Il est nécessaire de pouvoir aller les observer dans leur déplacement. Et donc, les deux dernières vagues de l'enquête ménage, dont on va vous parler un petit peu plus tard, intitulée NIM 6, donc une vague en 2016-2017 et une deuxième en 2020-2021, donc qui vient d'être achevée, ou en tout cas, sur sa partie suivi des populations, elle est achevée, c'est-à-dire qu'on a retrouvé
les 500 ménages qui ont constitué la vague de 2016, en partant de 400 ménages en 2010, dans une vingtaine de localités, avec des questionnaires, donc une enquête ménage, comme je l'ai dit, mais qui est en fait aussi au niveau individu, puisque nous avons un questionnaire adressé au chef du ménage, mais aussi à deux membres, ou trois cette année, en 2020, trois membres du ménage, ce qui, globalement, nous permet de collecter de l'information longitudinale sur plus de 3000 individus dans le temps. Donc, ça, c'est, disons, la partie quantitative de nos méthodes, mais il existe aussi, bien entendu, une partie qualitative qui nous sont chers, qui est chère à tous les deux, puisque on aime travailler sur des récits de vie, dans des histoires de vie, des monographies aussi de villages et sectoriels. Et puis, plus récemment, pour illustrer une activité totalement récente et finalement assez presque un peu nouvelle, c'est un suivi de la pandémie dans le cadre d'un projet qu'on a intitulé Covindia, qui a consisté à formaliser une aide alimentaire pendant le premier lockdown. Et donc, d'abord avec trois objectifs principaux, c'est de subvenir aux besoins urgents des groupes vulnérables de nos 10 villages d'origine de l'enquête NIMSIS, RUM, sous la forme de repas qui étaient préparés par des collectifs d'aide féminin qui étaient déjà en place, qui sont connus par ceux qui travaillent sur l'Inde, les self-help groups. Et puis, évidemment, produire de l'information qualitative sur la situation de ces groupes et de ces individus à travers la reconstitution de récits de vie pendant le confinement. Et enfin, donc là, vous avez deux images d'une vidéo courte qui a été postée sur le site de l'IRD, que vous retrouvez sur le site de l'IRD, qui consiste à documenter en fait la transformation des solidarités villageoises par l'image, avec un documentaire court et puis un long à venir qui a fait l'objet d'un tournage ces dernières semaines quand j'y étais. Je repasse la parole à Isabelle. Donc, premier temps, ouais, non, il y avait un écho. Premier temps de résultats qu'on souhaite partager avec vous. Les effets de la première vague sur, et notamment du confinement, sur ce qu'on pourrait appeler l'économie politique de la région. Alors, nous sommes dans une région singulière, choisie néanmoins car elle illustre un certain nombre de tendances observables ailleurs au Tamil Nadu. Suivante, Jalil. Une agriculture qui décline, mais qui néanmoins, comme à l'échelle de l'ensemble de l'Inde, mais qui néanmoins reste dynamique et diversifiée, ainsi qu'une expansion soutenue de villes secondaires, Panruti, Cadalore, un phénomène largement démontré aussi à plus large échelle par nos collègues géographes Éric Denis et Marie-Hélène Zera. Et voilà, deux éléments de contexte qui sont importants pour comprendre la suite. Au cours, donc voilà, moi j'ai commencé à bosser là-bas il y a presque 20 ans finalement, et avec Venkatesh Subramaniam, et puis depuis plus récemment avec Jalil, on observe des changements assez radicaux dans l'économie politique de cette région. Donc, ce déclin agricole, je vais donner des chiffres dans quelques minutes, une hausse de l'emploi non agricole sous deux formes principales, soit du fait de la migration, principalement interne, hein, autour de 40-50% des familles concernées selon nos années d'enquête, mais sous des distances relativement courtes à l'échelle indienne, hein, 200-300 km en moyenne, soit du fait de ce qu'on peut appeler la circulation, c'est-à-dire un aller-retour beaucoup plus court à la journée dans des villes voisines dont je parlais à l'instant. Autre point, une très forte hausse de l'endettement. Alors, il n'y a rien de nouveau dans l'endettement, constante dans l'histoire indienne, mais on est là dans un endettement de marché, ciblant en grande partie les femmes, désencastré au moins en partie des relations de caste, visant à la fois à finir le mois, mais aussi à investir avec une réelle volonté de mobilité sociale ou du moins d'intégration, y compris de la part des populations dalites. Comme ailleurs en Inde, l'espace religieux et rituel, mais aussi social, économique, politique, reste fortement marqué par l'appartenance de caste. On observe à la fois la persistance d'un certain nombre de discriminations et d'inégalités, notamment à l'égard de ce qu'on peut appeler les hors-castes ou les basses-castes. J'utilise ici le terme politique de dalite opprimé. Et en même temps, des transformations significatives qui résultent d'une combinaison de plusieurs facteurs, des politiques de discrimination positive, des mouvements sociaux et politiques, une très forte politisation des dalites, transformation des marchés de l'emploi et du crédit, et tout ceci reconfigure les inégalités
avec du fait d'un accès inégalité qui sont désormais articulées autour d'un accès inégal à ces nouvelles formes d'emploi non agricoles, mais aussi inégalité d'accès à ces différentes formes de crédit, inégalité d'accès à toutes ces aides gouvernementales qui aujourd'hui sont une composante majeure du paysage. Donc la pandémie arrive dans un contexte en pleine ébullition, avec des tendances visibles à l'œil nu, suivante, Jaline, avec un boom de la construction. Vous pouvez voir sur ces quelques images. Voilà, suivante. Le marché qui pénètre dans les villages. Là, sur la slide suivante, on voit une correspondante bancaire. De construction qui concerne aussi les temples. Là, c'est un petit temple d'Alit. Le marché qui pénètre les villages. On voit cette dame là qui amène la banque au cœur du village. Des mariages grandioses pour certains, y compris pour certaines familles d'Alit. C'est le cas sur cette photo. Mais tout ceci est très inégalitaire. Ici, dans la photo suivante, on a l'hébergement d'une famille de mouleurs de briques qui partent à la saison pour mouler des briques, où séjournent aussi des enfants, avec des conditions de travail que l'on n'a pas pu photographier, mais qui restent extrêmement difficiles. Donc, on a un modèle à la fois d'accumulation et d'intégration, je dirais, qui reste très fragile, avec des investissements de la part des populations à la fois économiques et sociaux, mais qui sont éminemment risqués. Certains progressent, d'autres échouent. Le simple fait que certains parmi les Dalits progressent sert de modèle et d'émulation. Et le premier confinement, comme toute crise, révèle en fait toutes ces fragilités. Alors, on a commencé le suivi par des discussions téléphoniques, ce qui était le seul outil possible au moment du confinement. Et ce qui ressort, Guillemoto parlait de sidération, comme pour nous tous, c'est aussi la sidération de la part des populations, avec, je dirais, un sentiment d'effondrement, c'est un terme qui revient encore et encore dans les témoignages, avec en quelque sorte un bouleversement de ce qui représentait jusque-là des certitudes quant à la voie à suivre pour progresser et s'intégrer. Sortir du village, sortir des interdépendances de caste, migrer, même en se faisant exploiter. L'exploitation par un étranger n'a pas la même signification que l'exploitation au sein du village. Cette image du déplacement de l'ailleurs comme figure d'émancipation bascule. Le migrant héros devient en quelque sorte un paria, peut-être contaminé, qu'il faut éviter, qu'il faut nourrir. L'agriculture, qui ne cessait de décliner, regagne de l'importance, notamment l'agriculture de subsistance, qui résiste beaucoup mieux du fait de son organisation sur des circuits courts de vente. Deuxième basculement, c'est le crédit, qui était jusque-là perçu comme une promesse sur l'avenir, très risquée. Mais toutefois, la possibilité de se projeter, d'imaginer un futur meilleur, notamment pour les enfants, monter un petit business, mais surtout un bon mariage, une école privée, etc. Et là, cette image du crédit comme promesse disparaît. Il ne reste que des dettes très lourdes qui écrasent toute possibilité de projection et qui se présentent plutôt comme une dépossession, finalement, du temps. Et puis, transformation assez radicale de la socialité, qui était un résultat des deux aspects précédents. Le mouvement permet de multiplier les liens, rarement d'abandonner les liens locaux, mais qu'il s'agisse de liens de parenté, de caste ou de patronage, mais de les multiplier. Avec la crise, cet élargissement des relations qui avait été patiemment construite au fil du temps, basé sur la confiance et sur l'échange d'un certain nombre de biens et services, est sérieusement mise à l'épreuve. Jaline en reparlera. Alors, quelques illustrations concrètes de ces tendances, et là je remercie très vivement les collègues Arnaud, Natal et Cécile Mouchel pour leur efficacité et leur disponibilité. Là on voit l'évolution des revenus réels, en grisé la moyenne, en noir la médiane, et ce qu'on voit finalement c'est une augmentation relativement importante entre 2010 et 2016, avec pas mal de dispersion, puisque la médiane ne bouge pas. Une augmentation y compris pour les Dalits, qui commençaient à rattraper les castes moyennes en fait. Et la pandémie, finalement, fait retomber tout ça, et on voit bien que la capacité de résilience des revenus est étroitement liée à la caste. Les hautes castes résistent beaucoup mieux. Si on regarde, slide suivante, si on regarde la part de l'agriculture, on voit qu'entre 2010 et 2016, vous voyez que ça diminue, ce qui illustrait ce que je disais tout à l'heure. Elle repart à la hausse en 2020, une illustration de la résilience de l'agriculture. Quelques autres indicateurs pour vous donner une idée de la sévérité de la crise. La question de l'insécurité alimentaire, alors captée de manière très partielle parce que subjective, c'était sous la question « Avez-vous eu suffisamment de nourriture pendant le confinement ?» Un tiers dit non, 14% disent « rarement », donc on arrive quasiment à la moitié qui considèrent que régulièrement leur alimentation a été insuffisante. Autre indicateur clé, la perte de patrimoine. Environ 20% des personnes ont perdu des biens. Et ce qui est très préoccupant, c'est la terre, autour de 5%, et l'habitat, autour de 8-9%, habituellement vendu pour payer des dettes.
Et enfin, la dette, voilà, qui révèle là son côté tragique, avec un indicateur qui est assez parlant, alors qui c'est pas quelque chose qui arrive avec la crise, hein, qui était déjà là avant, mais avec quand même des indicateurs qui se dégradent. Et donc, j'en ai choisi un là, le service de la dette, c'est-à-dire le pourcentage de revenus dédiés au paiement de la dette, un peu moins de 50% en 2010, on arrive à 60% en 2021. Quelqu'un qui gagne 10 000 roupies, 6 000 roupies vont aller au paiement de la dette. Donc, je n'ai pas le temps d'en dire plus, mais je dirais simplement que ce poids de la dette agit véritablement comme un facteur de prolétarisation, au sens où il oblige les gens à accepter des conditions de travail déplorables. On observait déjà ça avant la pandémie, où il était fréquent qu'une ou deux personnes au sein de la famille migrent spécifiquement pour payer des dettes. Or là, ce lien devient absolument évident. Lorsque les gens décident de repartir en ville, hein, à la fin du confinement ou même avant que le confinement soit terminé, c'est pour payer des dettes. Je ne vais pas développer, il y avait ce slide là que j'ai oublié, qui montre simplement qu'au fil du temps, en fait, on a un usage de cette dette de plus en plus pour finir le mois et de moins en moins pour des investissements qui soient économiques ou sociaux. Dernier point avant de passer la parole à Jalil, je dirais que simplement que il y a toute une infrastructure financière qui a été développée, qui a été largement poussée par le gouvernement indien, qui comprend un ensemble complexe d'organisations privées, publiques, qui a aussi été présenté comme une manière efficace de distribuer les transferts monétaires qui étaient supposés pallier à la crise liée au premier confinement. Je n'ai pas le temps de développer, mais ce qu'on observe de manière extrêmement claire, c'est que cette infrastructure financière, finalement, se révèle être plutôt un instrument de capture que de redistribution. Je n'ai pas le temps d'en dire plus. Mais d'où le rôle des réseaux interpersonnels, qui se sont finalement, comme souvent, se sont révélés essentiels comme mode de résilience. Et donc là, je passe la parole à Jalil. Merci Isabelle. En plus de faire ma transition, donc, je crois qu'il n'est pas nécessaire d'expliquer pourquoi la dimension des réseaux interpersonnels est centrale dans l'analyse des vulnérabilités des populations que l'on a observées. Je voudrais ici faire un focus donc, sur une question un petit peu méthodologique quand même, sur la question des réseaux interpersonnels, en montrant comment notre dispositif d'enquête NIMSIS parvient à collecter ce type d'informations et essayer d'en donner quelques résultats qui sont très préliminaires puisque les données sont toutes chaudes. Et encore il y a quelques heures, on faisait encore des analyses que je vais vous présenter. Donc, l'enquête NIMSIS comprend des questions sur la taille et les caractéristiques des relations interpersonnelles. On utilise une méthode qui vient de la sociologie quantitative économique qui s'appelle les générateurs de noms, qui consiste en plusieurs questions invitant le répondant, qu'on appelle égo, à évoquer les personnes, les altères avec lesquels il ou elle entretient certains types de relations directes. C'est une manière de définir les membres centraux du réseau interpersonnel et donc d'évaluer la surface sociale d'ego. Cette méthode nous permet de mettre en œuvre l'analyse des réseaux sociaux qui est relativement peu utilisée dans les pays en développement pour une raison simple, c'est que c'est assez difficile de collecter ce type d'informations et donc c'est pas absolument répandu dans tous les pays. Nos variables de lien interpersonnel sont, pour rentrer dans le détail, divisées en deux types assez différents. Donc, les liens qui sont effectifs, c'est-à-dire les relations effectivement entretenues par ego en ce qui concerne un certain type de dimension que je ne vais pas vous détailler tout de suite, mais un petit peu plus tard. Donc, ce sont des liens déjà établis, des relations. Et puis, il y a aussi les liens qui sont potentiels, c'est-à-dire des liens qui peuvent être désirés, mais pas nécessairement entretenu. Donc, les questions des générateurs de noms sont dispersées dans ces questionnaires ménages et individus et portent sur donc les pratiques financières, évidemment, les épisodes d'emploi, l'aide reçue et donnée. Donc, en particulier en temps de confinement en 2020, nous avons introduit un questionnaire spécifique à ce sujet, dans le générateur de noms, la confiance portée en la communauté, et puis les personnes que Ego peut solliciter en cas d'urgence, en particulier les urgences médicales que nous avons collectées également. Donc, observer la taille des réseaux interpersonnels, la diversité des altères et la multiplicité des cercles sociaux auxquels une personne a accès
C'est un peu le principe de cette méthode. Ici, je vais vous présenter quelques indicateurs d'homophilie que je vous définirai un petit peu plus tard, ainsi que des graphiques. Pardon. Je reviens sur cette slide simplement pour vous donner une indication de la taille de nos échantillons, puisque nous avons alors des bases de données donc à deux dimensions. Une première dimension qui est celle des individus qui répondent, les égaux, qui répondent aux questions, qui sont certains individus choisis ou sélectionnés de manière aléatoire ou pas dans le ménage, et qui peuvent nommer un certain nombre d'haltères, donc ces haltères constituent finalement une nouvelle base de données que nous pouvons analyser, puisque toute une liste de caractéristiques concerne ces haltères. Donc, nous avons un échantillon plus grand en 2020 d'haltères, car nous avons augmenté d'une personne le répondant dans le ménage. Nous avons un égo supplémentaire en 2020 qui a répondu à ce questionnaire de générateur d'eau. Ici, donc, quelques statistiques sur l'homophilie. Alors ici, nous la définissons comme en termes sur plusieurs dimensions, plusieurs attributs qui nous intéressent. Donc, l'homophilie est ici la proportion de liens entre égo et alter qui partagent le même attribut. Ce qu'on observe, c'est que la proportion de liens similaires entre égo et alter est la plus élevée pour le statut professionnel et le sexe. Respectivement, 95% des alters ont le même statut professionnel que leur égo, et 95%, ce que vous observez ici, ont le même sexe que leur égo. En résumé, les alters ont tendance à partager le même sexe, la même caste, le même statut professionnel et à vivre dans le même quartier que leur égo. Néanmoins, on observe des différences entre les alters et les égos pour le type de profession, le niveau d'éducation et la tranche d'âge. C'est particulièrement vrai pour l'éducation. Et cela confirme l'importance des relations de voisinage pour construire des relations interpersonnelles. On le sait, dans nos villages étudiés, il y a une forme de ségrégation spatiale qui s'opère depuis très longtemps, avec une partie du village qui concerne les basses castes et une autre qu'on appelle les colonies, et une autre partie du village très souvent séparée par une frontière physique qui est la route principale, qui concerne les classes plus élevées, et donc un piège ici. Qui est que la création des réseaux basés sur la proximité géographique se fait donc au détriment des ménages particulièrement isolés, qui soient dans des emplois basés au village ou dans les environs. Donc ici, nous avons une autre graphique qui décrit la part des prêts intercastes en fonction du groupe de castes d'égaux en 2016. Donc, les égaux, ici, dépendent dans une large mesure des prêteurs intracastes dans tous les villages de notre échantillon, avec de légères variations selon les villages, mais une nette tendance globale, avec une homophilie de caste qui est particulièrement importante. Les gens ont tendance à contracter des prêts auprès des prêteurs de leur caste. Et donc, comme beaucoup d'autres villages tamouls, en réalité, les villages de la zone d'étude sont géographiquement segmentés, comme je l'ai dit, et cette segmentation spatiale s'est particulièrement fait sentir dans la vie quotidienne lors du premier confinement en 2020, avec des contraintes de déplacement qui ont probablement renforcé les mécanismes de création et d'utilisation de réseaux interpersonnels de manière segmentée, une façon de finalement de reproduire les inégalités dans la structure sociale. Je vais vous présenter ici, pour finir, ce qu'on appelle des sociogrammes des réseaux. Et pour tâcher de tirer des enseignements sur ce que l'on pourrait dire à partir de ces réseaux interpersonnels avant le confinement et après le confinement. Alors, ici, vous avez une représentation. Donc, il ne s'agit pas d'un séquençage du variant indien. Il s'agit d'une représentation graphique du réseau de prêts interpersonnels en fonction de la case d'égo. Donc, chaque point représente, rouge en l'occurrence ici, représente un nœud, donc celui d'égo le plus gros, soit celui de son alter le plus petit. Les égonettes, donc qui constituent l'ensemble du réseau égo et alter,
ayant les plus petits zygonettes sont au centre du cercle concentrique. Et à mesure que l'on s'éloigne du centre, les zygonettes sont de plus en plus grands. Donc ici, le lien entre ego et alter représente le prêt, et plus tard, je vous parlerai de l'aide, que ego a contracté auprès d'un prêteur. Donc si on compare les deux années, c'est ça qui nous intéresse ici, on observe qu'il y a davantage de cercles concentriques dans le sociogramme de 2020 par rapport à celui de 2016, ce qui traduirait, j'utilise le conditionnel puisqu'on est encore au stade de l'analyse, une densification des réseaux d'endettement au cours du temps. Donc le sociogramme de 2020 est plus dense, avec davantage de liens d'endettement qui ont été nommés par ego. Il est aussi plus diversifié en termes de combinaisons de ces liens. Donc il y a plus de combinaisons d'altères. Et je dirais que c'est normal car il y a plus de prêts en 2020, comme l'a mentionné Isabelle. Mais la diversification des emprunteurs n'est, elle, pas mécanique puisque les égaux auraient pu contracter davantage de prêts auprès du même alter, ce qui n'a pas été le cas. Donc, il y a une forme de diversification de la structure du réseau ici que l'on peut clairement observer dans le schéma. Ici, donc, je vais me concentrer sur 2016 pour vous montrer de manière dynamique ce que l'on peut observer. Ici, nous avons l'ensemble de l'égonette, c'est-à-dire que nous pouvons mélanger les liens qui sont homophiles et les liens hétérophiles. Donc, il s'agit encore de l'endettement. Je peux faire disparaître ici, comme je le fais, les liens hétérophiles des dalites. Donc, pardon, j'ai pas mentionné, j'ai pas reprécisé, mais il s'agit uniquement des dalites, puisque nous avons des points rouges. Donc, les liens homophiles que nous avons, ce sont les prêts entre dalites uniquement. Ils constituent donc, on le voit, la part prépondérante, mais pas écrasante, des liens d'endettement. Je reviens à l'égonette complet et je peux faire disparaître les liens qui sont homophiles pour ne faire apparaître que les liens hétérophiles. Et nous observons que les égonettes sont donc largement composées de liens entre dalites et middle caste lorsqu'il s'agit de multiplier les sources d'emprunt, avec davantage de relations avec les upper caste lorsqu'il s'agit de petits égonettes. Faites-moi confiance, il faudrait regarder vraiment dans le détail pour l'observer. C'est plutôt ce qu'on observe à la fois dans le graphique et puis aussi dans les données. La même analyse est faite à présent avec les sociogrammes pour 2020 qui sont donc plus denses et diversifiés en termes de combinaisons d'endettement. Donc je fais disparaître encore les liens hétérophiles pour ne faire apparaître que l'homophilie. Et donc on observe encore une fois une prépondérance de l'homophilie, mais elle n'est pas écrasante. Et donc ici, on observe que l'apparition de liens hétérophiles fait ressortir un retrait relatif par rapport à 2016 des liens dalite upper caste qui ont sans doute été remplacés par des relations entre dalite et middle caste, en particulier pour les tout petits zygonettes, puisque si vous voyez, en fait, on observe essentiellement une disparition au centre du cercle concentrique. Je vais passer maintenant rapidement sur une deuxième dimension qui nous semble très intéressante, puisqu'il s'agit de l'aide en temps de Covid, donc en temps de confinement. Et ici, nous avons les sociogrammes de l'aide reçue de la pandémie de Covid au moment du premier confinement, donc sous forme de nourriture essentiellement, et puis de cash également. Donc, il semblerait que les répondants, toutes cases confondues, déclarent beaucoup plus de réseaux d'aide reçue que d'aide donnée. Donc ici, nous avons l'aide donnée par les égaux et l'aide reçue, si l'on en juge de la densité du réseau des premiers par rapport au second. Qu'en est-il, par contre, de la composition de ces liens en termes de caste? Alors là, je me concentre sur les liens, l'aide donnée, donc moins dense. Je fais disparaître les liens qui sont hétérophiles. Et donc, ce qu'on observe, c'est qu'ici, les dalites sont avec les dalites, généralement, les middle caste vers les middle caste et les upper caste, qui sont d'ailleurs très peu de réponses, sont plutôt entre elles également. Je fais disparaître les liens homophiles et évidemment, tout disparaît quasiment. Ce sont plutôt des upper caste qui ont aidé des middle caste et quelques égaux de middle caste qui ont aidé des altères qui se trouvent être des dalites. J'ai conscience que ça va un petit peu vite, c'est parce que je ne voudrais pas trop déborder, mais je pourrais y passer beaucoup plus de temps. Passons à l'aide reçue, qui est beaucoup plus dense, où peut-être on aurait plus de choses à dire avec davantage d'analyse. En faisant disparaître également, alternativement, l'homophilie et l'hétérophilie,
Ce qui frappe, c'est que les liens hétérophiles de ce schéma sont surtout de grands zygonètes, d'au moins 4 personnes, de un égo avec 3 haltères. Et ce sont surtout des dalites qui déclarent avoir reçu de l'aide d'haltères de middlecast et parfois d'overcast, mais dans une moindre mesure. Je vais peut-être essayer de tâcher de résumer pour conclure avec une question. Est-ce que la résilience en tant que crise passe-t-elle donc par les réseaux interpersonnels? Évidemment, la réponse est presque dans la question, oui. Mais la solidarité de caste existe parmi donc les basses castes, qui représentent désormais une part importante des prêteurs et des employeurs. Nous observons une segmentation, une hiérarchie des marchés du crédit et du travail, ce que je n'ai pas eu le temps de montrer ici, mais que nous faisons dans un autre papier qui est en cours de soumission. Les basses castes prêtent aux basses castes, et quand elles embauchent, elles le font principalement auprès des basses castes. Donc on emprunte rarement et on travaille rarement pour quelqu'un, entre guillemets, d'inférieur à soi, en termes de caste. Donc premier résultat fort, une réduction de la consommation, et je résume en fait un petit peu ce qu'a dit Isabelle tout à l'heure, une réduction de la consommation et le rôle essentiel de filet de sécurité qui constitue la nourriture subventionnée, mais qui n'a pas permis d'éviter la famine, même si cela n'a pas empêché la malnutrition sévère. Un deuxième résultat fort, c'est le rôle clé de la famille, notamment dans les premiers temps du confinement. Un effondrement de la confiance, la famille a été un espace décisif de repli et de soutien matériel et émotionnel. Un troisième résultat, qui est le rôle essentiel des réseaux de solidarité intracastes, qui ont été intensivement mobilisés, comme je l'ai montré avec les sociodrames, lorsque les échanges et la vie économique ont repris, mais également au moment où le plus dur du confinement, où finalement il y a eu un fort repli sur la famille. Et peut-être donc du coup un dernier résultat, mais à confirmer par de nouvelles analyses. Encore une fois, nous sommes à un stade préliminaire. Les liens forts, donc de solidarité de parents et de castes, ont joué un rôle clé, mais ils n'auraient pas empêché une résurgence des anciennes formes de patronage que nous observons depuis de longues années, enfin Isabelle en tout cas, depuis de très longues années dans la région, et il nous reste maintenant à confirmer ces résultats par de nouvelles analyses. Voilà, je vous remercie de votre attention et je peux engager la discussion. Merci à vous deux. Merci donc à Isabelle et Djali. Je pense qu'il y a plein d'aspects très intéressants dans votre intervention, qui est vraiment tout à fait originale, hein, je dois dire, avec des instruments nouveaux et déjà des résultats assez surprenants. Alors, je ne vois pas. J'ai peut-être pas demandé s'il y avait immédiatement des gens qui voulaient réagir et poser des questions. Je n'ai pas vu apparaître de questions dans la chat. Hein? Moi, je veux bien commencer si tu veux, si tu veux bien, Christophe. Oui, alors oui, parce je te donne la parole, Fanny. Bah, merci beaucoup, merci énormément pour cette présentation qui est vraiment hyper riche pour, en tout cas pour quelqu'un comme moi qui ne connaît pas du tout l'Inde et plein de choses aussi sur vos méthodologies et vos ambitions et vos projets. Je trouve que c'est très intéressant. J'aurais une question, moi, sur la notion de résilience, en fait. Bon, étant impliquée aussi dans un projet sur les notions de résilience en lien avec le Covid, je suis vraiment curieuse de savoir à quel point... voilà, est-ce que c'est une notion clé dans ce travail et dans ce cas, quelle est votre définition? Voilà, est-ce que c'est quelque chose qui a porté la structuration notamment de ce programme? Est-ce que c'est nouveau en lien avec le Covid? Et puis, est-ce que c'est plutôt une notion qui vous permet d'interpréter les résultats avec une dimension justement peut-être économique, avec des questions de, je sais pas, de seuil? Est-ce que la résilience, c'est simplement quand on voit peut-être que les courbes qui reprennent leur voie normale? Ou voilà, c'est un peu ma question, savoir si c'est une conceptualisation théorique ou bien si c'est une grille d'interprétation, ou peut-être les deux. Merci beaucoup. On répond à chaque fois, chaque... Marine, peut-être pose ta question, on enchaîne, non? On va peut-être enchaîner s'il y a d'autres questions. Je donne la parole à... Moi, j'ai une autre question aussi, mais Marine avait une question. Oui, ouais, moi, j'ai une question plutôt... Vous m'entendez?
J'ai une question technique sur comme vous avez, enfin c'est pour mettre en parallèle ce qu'a dit Isabelle sur l'image générale et puis ensuite l'étude des liens interpersonnels. Comment vous avez intégré la dimension migrant et migration dans l'analyse interpersonnelle et des réseaux? Puisque j'imagine que la part des migrants était importante. Est-ce que elle, du coup, vous l'analysez dans votre échantillon et vous arrivez à identifier les gens qui ne restent pas là aussi dans l'analyse interpersonnelle et quel rôle ils jouent, soit en tant que prêteurs, soit en tant que receveurs? Alors, je vais donner la parole à François pour une troisième et dernière question pour ce premier round. François? Merci Christophe, merci Jalil et Isabelle pour la présentation, donc particulièrement intéressante, et puis pour saluer la capacité à avoir réagi en temps réel dans des conditions extrêmes en temps de Covid. Quelques petites remarques sur le cadrage général. Je suis quand même surpris. Alors, est-ce qu'on peut croire les chiffres sur le peu d'impact de la pandémie sur le revenu? Là, dans le chiffre au départ que vous avez montré, donc je suis aussi surpris qu'ils aient réussi à faire des enquêtes tous les mois. En fait, on a un choc de 50% en mars et puis en juillet, tout est revenu à la normale. Je suis étonné par ce résultat. Et puis après, sur la question du nombre de morts, est-ce qu'on peut contester, discuter le nombre de morts en Inde? Pour ce qui vous concerne plus particulièrement, d'abord, j'ai une première question technique sur l'enquête. Enquête en 2020, dans conditions de confinement, comment vous avez réalisé cette enquête et comment vous avez résolu l'arbitrage entre entretien téléphonique et risque de déperdition des plus pauvres qui n'auraient pas accès, pas le téléphone, ou entretien en face à face avec le risque de mettre en danger enquêteurs et enquêtés. Et puis la deuxième question, c'est sur le pas de temps. Le pas de temps pour traiter la question du confinement. Donc vous avez des enquêtes en gros tous les 5 ans. Comment vous arrivez à faire la part de ce qui serait dû au confinement en 2020 ou à une évolution sur les 5 ans, parce que ce qui m'a, alors ça a été très vite, hein, on a du mal à voir, mais j'ai été surpris de voir qu'il y avait finalement pas plus de variations peut-être entre 2016 et 2020 qu'entre 2010 et 2016. Et donc, qu'est-ce qui relève de l'évolution structurelle et de ce choc ponctuel du confinement? Et un dernier point très rapide sur l'histoire des observatoires, de l'observatoire. Donc, comme vous le savez, il y a d'autres observatoires qui existent et que vous connaissez. Je pense par exemple à ce qu'on a pu faire à Madagascar. Mais en particulier en Inde, là, il y a ce fameux observatoire que je connais que de très loin, de Palampur. En quoi vous êtes différent? Quelle est un peu la spécificité de votre observatoire par rapport à d'autres? Merci et bravo pour la présentation. Ok, Jalil, tu l'as? Oui, je suis là. Ouais. Je démarre, où tu veux démarrer? Comme tu veux, vas-y, je te laisserai répondre aux questions difficiles avant. Résilience, au moment où j'ai prononcé ce mot, je me suis dit, mais quelle erreur, fatale. Non, pour moi, là, Jalil, parce qu'on a des travaux communs et puis on a aussi nos propres agendas respectifs. Donc, Jalil donnera son avis sur le terme de résilience. Moi, voilà, au moment où je l'ai prononcé, je me suis dit, quelle erreur. C'est un terme utile, je ne vais pas particulièrement travailler sur la question, mais moi, je suis extrêmement critique sur l'idée selon laquelle, sur les dérives possibles d'usage de ce terme. Hein, les pauvres ont des ressources, mais ceci ne doit pas masquer la pauvreté des ressources. Il y a cette formule célèbre d'une collègue hispanophone de La Rocha qui exprime les choses de cette manière. Et là, oui, les gens survivent, mais ceci a un coût considérable. Hein, je n'ai pas parlé des questions de genre, parce qu'il fallait faire, il y avait des choix, mais il y a quand même un prix considérable qui va être difficile à mesurer. Je ne suis pas sûre qu'on y arrive à le mesurer. Tout ne se mesure pas. Mais en termes de dépression, en termes de fatigue mentale, en termes de violence sexuelle, parce que quand il faut trouver des ressources à un moment donné, il n'y a plus que le corps qui est disponible. Bon, donc voilà, tout ça pour dire que je suis très gênée par l'usage qui est fait du terme de résilience, qui dans l'absolu pourrait être intéressant, mais qui me semble se prêter à des usages politiques que je trouve très problématiques. Donc, je n'aurais pas dû utiliser ce terme. Sur la migration, je laisse Réjali répondre.
François, je vais faire peut-être une sélection. Sur les chiffres que j'ai, voilà, j'ai pris le risque, c'est toujours risqué de donner des chiffres, en fait, parce que, en tout cas, moi, je fais partie de ceux qui pensent que les chiffres sont déconstruits. Ils sont jamais faux, mais ils peuvent l'être dans certains cas, mais le meilleur chiffre possible a toujours une histoire, suppose tout un tas de conditions. Et là, en l'occurrence, il aurait fallu que je vous explique comment les données ont été collectées, quel degré de fiabilité elles ont, etc. Et donc, effectivement, il faudrait passer plus de temps pour commenter les résultats que j'ai extraits de ce rapport récent. Je dirais juste que effectivement la moyenne qui est relativement la chute est relativement faible, hein, des revenus et des emplois. Mais comme vous le savez bien mieux que moi, et François en particulier, ne pas se fier aux moyennes. Et donc, il y a d'ailleurs toute une hétérogénéité. Et quand on regarde ce qui se passe dans le décile les plus pauvres, par exemple, là, ça devient absolument dramatique. Donc, je n'ai pas pris le temps de le faire. Quand on regarde les plus pauvres, les femmes et les jeunes, là, ça commence à prendre sérieusement la forme de quelque chose de dramatique. Je répondrai aussi deux mots sur une question centrale, hein, qui est celle du type de collecte de données. Et c'est un débat qu'on peut avoir. Je ne sais pas si on a eu raison de faire ce qu'on a fait, mais en tout cas, c'est quelque chose qui nous a beaucoup préoccupés en lien avec l'éthique de la recherche. Avec cet arbitrage qui est d'un côté, évidemment, il ne faut pas contribuer à la propagation de l'épidémie, ce qui peut aussi se faire par téléphone. C'est-à-dire que si les gens se passent le téléphone, embêté par téléphone, ça peut aussi avoir des conséquences. Les gens dans un contexte où le téléphone est aujourd'hui un objet absolument central, y compris sur le plan de l'accès aux ressources, si la personne a son téléphone déchargé à cause de l'entretien, il y a tout un tas de questions qui se posent et qui supposent tout un tas de précautions. Mais l'éthique de la recherche, c'est aussi, on est des chercheurs et on doit documenter ce qui se passe en temps de crise pour ne pas laisser la voie à des analyses tronquées, à des journalistes, alors certains font ça très bien, d'autres beaucoup moins, à des usages politiques de ce qui se passe. Et donc, je ne sais pas si j'ai trop de temps de rentrer dans les détails, peut-être que Jalil pourra faire des compléments. Mais donc, il y a eu tout cet arbitrage constant entre ces deux types d'éthique, en fait, mais qui se sont soldés au final par, dans un premier temps, c'était hors de question de faire des entretiens en face à face. Et en fait, l'avantage de la présence dans la durée fait que ce sont d'abord des villageois qui nous ont contactés. Parce que cet observatoire, c'est aussi l'ancrage dans des relations dans la durée, alors qu'ils sont davantage peut-être plus tissés par des anthropologues, encore que, peut-être que je me trompe, mais qui repose sur une certaine forme de réciprocité, notamment dans la question du partage de l'information. Donc par rapport à la panique initiale, je crois qu'on a, et en Mankata Subramaniam en particulier, a joué un rôle absolument essentiel de relais de l'information, en aidant à distance les gens à organiser leur circuit de vente. Et puis tout ceci s'est formalisé au cours du temps. Nous, on a mobilisé de l'argent pour transférer des aides. Et donc je m'égare un peu sur la question de François, mais ça me semble important de dire ça parce que ces entretiens par téléphone, ils n'auraient jamais pu être faits sans. Et ils ont en fait poursuivi ces requêtes spontanées de la part des villageois qui voulaient partager leur quotidien et qui étaient en recherche d'informations sur l'ampleur de la crise, la manière de la gérer, etc. Donc, de fil en aiguille, ces entretiens complètement spontanés, ces discussions spontanées, informelles, ont pris une forme un peu plus systématisée, mais qui est restée sous la forme de questionnaires très ouverts. Hein, et c'est là que toute la question du sentiment d'effondrement que j'évoquais au début, c'est par ce biais-là qu'on l'a capté. Et puis ensuite, en fait, on a profité de la fenêtre entre les deux vagues pour faire l'enquête. Et là, grâce à une équipe remarquable, et là encore, je dois saluer Venkata Subramaniam, mais aussi Cécile Mouchel qui a joué un rôle central, il y a eu cette capacité à mener l'enquête dans un temps record entre les deux vagues, en fait, qui fait que sur le plan des risques de contamination, il me semble que ça a été relativement bien géré. Je parle beaucoup, donc je laisse, j'aurais d'autres choses à dire, mais Jaïl, je te laisse compléter. Oui, je vais juste compléter parce que tu as essentiellement répondu aux questions. Peut-être pas à la question de Marine, du coup. Donc, effectivement, la question migratoire est centrale et fondamentale à la fois dans nos thématiques de recherche, mais également dans la conception de notre collecte de données, puisque une partie de l'enquête quantitative consiste à suivre les migrants là où ils se sont déplacés.
Et donc en 2016, ce travail important de suivi à la fois des ménages déplacés, mais également des individus qui se sont déplacés, qui sont sortis des ménages et pour aller travailler essentiellement dans des briqueteries ou dans des zones industrielles éloignées de leur village d'origine, ont été retrouvés pour la majeure partie d'entre eux. Donc en fait, pour être précis, Marine, nous avons les données sur 2016 et les données que j'ai montrées pour 2016 prennent en compte l'aspect migratoire dans les prêts, mais pas 2020 parce que nous sommes encore à la phase du début de ce qu'on appelle le tracking des migrants, c'est-à-dire que nous avons des migrants individuels, nous allons démarrer le traçage de ces migrants individuels dans les semaines qui viennent. Donc les données, enfin les résultats que j'ai montrés ne concernent pas encore les migrants individuels. Voilà. Pour compléter quand même, pour être tout à fait complet sur la question, ce qu'on sait maintenant, avec un recul de 10 ans, c'est que les ménages ne se déplacent pas beaucoup, en fait. Et les migrations internes sont cycliques, circulaires, et les gens reviennent dans leur village d'origine. Donc, c'est ça qu'on a réussi à observer entre 2010 et 2016, c'est-à-dire que les ménages que nous n'avions pas retrouvés en 2016 et qui avaient été interrogés en 2010, nous les avons, pour la majeure partie d'entre eux, retrouvés en 2020. Ce sont des résultats intéressants et qui nous sont donnés par le dispositif, ce qui me permet de répondre à la question d'un temps de François sur le pas de temps. Donc le pas de temps, nous avons disons peut-être un petit peu au doigt mouillé, je dois dire, décidé d'avoir un cycle de 5 à 6, entre les deux vagues de 2010 à 2016 de 6 ans, mais ce qui s'explique en fait très largement par des raisons institutionnelles, d'avoir une présence sur place qui permettait de relancer un cycle d'enquête, pour être tout à fait précis. Et puis 2020, il y a aussi cet impératif de ne pas perdre trop de temps entre deux vagues pour pouvoir ne pas perdre les ménages observés en 2016, ne pas les voir trop disparaître, n'avoir un souci d'éviter le vieillissement structurel de l'échantillon, ce qui est compensé en partie par le fait que nous interrogeons des nouveaux ménages à chaque vague. En 2016, nous avons rajouté de la population et en 2020, nous avons l'intention de le faire également. Voilà, je ne sais pas si ça répond complètement à ta question, François, mais on aura l'occasion d'en discuter. Donc, quelle est la spécificité de cet observatoire par rapport à ce qu'on peut observer ailleurs? Donc, Isabelle y a répondu un peu. J'y ajouterais qu'en fait, tu as évoqué le cas de Palempour. Moi, je dirais que nous avons un dispositif qui fait appel à un pluralisme méthodologique, puisqu'il ne s'agit pas simplement de mener une enquête quantitative avec un laps de temps de 10 ans, mais d'avoir aussi un certain nombre d'outils qui sont qualitatifs, le média vidéo également, d'autres bases de données dont Isabelle pourrait parler, je pense aux Financial Diaries, les enquêtes emploi du temps. Nous avons une boîte à outils qui fait appel à ce pluralisme méthodologique qui nous semble permettre aussi de répondre à la question, d'une certaine façon, à la difficulté d'enquêter en temps de pandémie, puisque avec cet observatoire, nous ne sommes pas monotâches, puisque si nous ne pouvons pas aller directement aller enquêter les populations avec un questionnaire long qui les occupe pendant une journée, voire deux journées, nous pouvons avoir des entretiens par téléphone, nous pouvons entretenir des relations qui sont sous la forme d'aide aussi, donc ce qui est une manière de répondre aussi à la question éthique, de savoir est-ce que nous nous mettons simplement dans la position de collecter de l'information sans avoir quelque chose en retour à donner. Et donc là, le confinement nous a donné cette opportunité de formaliser quelque chose qu'on faisait, que d'ailleurs on n'était pas les seuls à faire, de manière informelle, c'est-à-dire venir en aide
aux besoins les plus pressants des populations qu'on étudie, mais de formaliser cette aide en nous reposant sur les structures existantes, les structures villageoises. Il y a eu d'abord un peu, Isabelle l'a dit, une sollicitation de ces populations qui nous connaissent, puisque elles sont en rapport avec nos chercheurs, nos collègues locaux, en particulier Tancata, depuis plusieurs décennies. Cet observatoire est sollicité et en même temps, ça nous donne une certaine flexibilité pour pouvoir avoir des formes différentes d'échanges qui ne sont pas simplement de la collecte par questionnaire fermé, mais aussi des conversations, des échanges au quotidien. Voilà. Et toute une équipe locale d'enquêteurs qui est formée pour cela, souvent qui reviennent de vague en vague. Donc, c'est peut-être encore une autre différence, je ne sais pas encore très bien dans le cas de Palampour, combien il y a d'enquêteurs, mais les enquêteurs, c'est une petite équipe en fait. Donc, c'est assez artisanal presque. Nous avons une dizaine d'enquêteurs que nous avons formés à l'usage de nouveaux outils, en particulier la tablette numérique ces dernières années, et qui reviennent, qui adhèrent au principe à nos pratiques de la recherche volontiers. J'espère avoir répondu à toutes les questions peut-être qu'il en reste. Je reprends la parole parce qu'il nous reste plus que quelques minutes. Alors, je vais donner la parole à Mireille, mais d'abord, je lis une question de Marine qui demandait quelle présence des systèmes de micro-emprunt d'argent virtuel par téléphone portable dans votre enquête 2020 ? Ça, c'est bien une question de Marine. Est-ce que ça émerge, oui ou non ? On reste uniquement sur de l'emprunt interpersonnel en cash, point d'interrogation. Ensuite, je te donne la parole, Mireille. Merci, bonjour à tous. Merci pour cette présentation, Isabelle et Jalil. Vraiment très intéressant et très riche, beaucoup de choses à discuter. Moi, je vais revenir sur une question qui m'intéressait dès le début, en fait, quand je suis venue, quand j'ai vu l'annonce de votre présentation, c'est que on voit bien qu'on est en temps de pandémie. On sait bien que les enquêtes sont déjà, en dehors des pandémies, mettre en place ce type d'enquête est déjà extrêmement difficile. Et donc là, compte tenu de la pandémie, j'imagine qu'il y a eu des difficultés supplémentaires. Je prends l'exemple, François, on a déjà un peu parlé là des possibles difficultés. Est-ce que vous avez pu identifier par exemple, des choses sur lesquelles vous avez pu voir des problèmes. Je prends un exemple ici au Brésil où on a identifié que, à cause des enquêtes par téléphone, apparemment, il y a une catégorie de la population et peut-être les plus pauvres, les plus précaires, n'ont pas répondu et ça nous donne des questions monstres sur finalement quel est le vrai résultat. Enfin, voilà, il y a des doutes, quoi. Et donc, ça, c'est du point de vue négatif en disant, est-ce qu'il y a eu des difficultés que vous avez pu identifier? Et la deuxième chose, c'est que peut-être aussi qu'il y a eu des points positifs. Peut-être que la pandémie, par exemple, justement, sur la question des réseaux, ont mis en avant des choses qui auraient peut-être pu passer inaperçues en l'absence de pandémie. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Merci. Marine, ça reste à creuser, mais je crois que c'est très, très faible. Et moi, de ce que j'observe dans la région, c'est qu'en fait, ces emprunts par téléphone portable, c'est une clientèle très différente. C'est plutôt des jeunes hommes branchés. Et là, c'est en train de se développer et de faire des ravages, je crois. Donc, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais dans les villages, on est encore, on n'en est pas encore là. Mireille, alors Jalil, tu auras certainement des choses à dire. Moi, je vais peut-être insister sur ce que je maîtrise le mieux. Les enquêtes par téléphone n'ont été faites que sur le plan qualitatif. Où là, ce qui est compliqué, c'est ceux qui font des enquêtes qualitatives le savent. Il y a quand même toute une phase de confiance qui passe par le regard, qui passe par le langage corporel, et toute une partie interprétative qui passe aussi par ces questions-là. C'est-à-dire que quand on est sur des questions un peu taboues,
on sent que la personne est gênée, ça se manifeste de manière, l'expression du visage, l'expression du corps, ce qui permet de gérer beaucoup plus facilement en fait des entretiens qualitatifs sur des sujets un peu tabous. Là, par téléphone, on n'a pas ça. Donc il y a eu toute une phase d'apprentissage un peu compliquée et qui donne du coup des résultats qui sont parce que voilà, la règle c'était dès qu'on sentait une hésitation et un blanc, on proposait d'arrêter la conversation parce qu'on sentait que la personne était gênée. Mais du coup, il faut rappeler, ça prend un temps fou. Bon, après, c'est comme toute analyse qualitative, c'est-à-dire que, en fait, les relations dans la durée se font avec ceux qui sont seuls et ceux qui sont finalement intéressés par la discussion et qui, finalement, disent des choses qu'elles n'auraient dit à personne d'autre. Donc, il y a aussi cette question de la réciprocité que j'évoquais tout à l'heure. Mais aucune enquête quantitative n'a été faite par téléphone. Et là, je laisse Yalil enchaîner, mais sur la question de l'échantillonnage, c'est les mêmes populations qui ont été enquêtées au cours du temps. Ça limite le biais dont tu parles, mais je laisse Yalil compléter. On n'a pas répondu à la question de François, sur comparaison avec 2020, effectivement, qu'est-ce qui va relever de la crise? Qu'est-ce qui va relever de la phase 2016-2020? Bon, pour l'instant, on n'a pas étudié la question, mais effectivement, ça ne va pas être très simple. Non, Mireille, effectivement, Isabelle a partiellement répondu. Dès lors qu'on suit les populations dans le temps, problème de la, disons, de l'attrition, j'ai l'impression que tu parles un peu de l'attrition, enfin, disons, de la sélection d'échantillons liée à la difficulté à répondre en temps de crise. On ne l'a pas vécu, en fait, sur l'enquête quantitative, et je dirais même, j'ajouterais qu'en fait, on a eu extrêmement peu de cas de refus de répondre, ce qui a presque été un petit peu étonnant. On se serait effectivement attendu à ce que les gens refusent de répondre, mais en réalité, on a eu affaire, donc je pense que c'est lié aussi au fait que les gens nous connaissent, un désir de répondre plutôt, pour justement partager l'expérience que les familles ont vécue après le premier confinement. Alors quand même, j'ajoutais, je préciserai par rapport à la question, c'est un peu la question de François aussi, je crois, l'enquête quanti, parce que donc pendant le premier confinement qui a duré, enfin globalement jusqu'à la fin juillet, ce sont des enquêtes par téléphone qui ont été faites pour alimenter nos travaux, nos perceptions, nos papiers en fait, puisqu'on a souvent dans nos papiers du coup une partie qualitative. Mais l'enquête quanti a été par contre interdite. Oui, je peux le dire, interdite, pas par les autorités indiennes, hein, par la France. Donc, on n'a pas pu aller sur le terrain par la France, disons, par les recommandations consulaires. Et donc, on n'a pas pu aller sur le terrain avant, enquêter les ménages, avant, la fin du mois d'octobre. Alors, on a pu faire un peu une enquête pilote un peu avant, mais l'enquête en taille réelle, dimension réelle, a démarré en novembre, début novembre, et ça en fait c'est assez rapide. Donc ça veut dire à un moment du temps, le confinement était passé, le premier lockdown indien extrêmement sévère qu'a décrit Isabelle était passé. Et où les ménages avaient repris globalement une vie normale jusqu'à ce que la deuxième vague arrive, ce qui permet de l'aborder. On l'a très peu abordé par manque de temps, mais très soudaine, évidemment, comme on l'a vu. Et ça se referme. Mais en fait, au moment où ça s'est refermé, finalement, on avait fini. Donc, notre enquête quanti, NIMCIS 2, concerne une période entre les deux vagues. Et ce qui est, à mon avis, ce qui nous permet d'observer en tout cas les effets de très court terme de la crise, du premier confinement, dont je pense, en y étant sur place et en observant les deux, puisque j'ai vécu le deuxième confinement aussi pendant un mois et demi, était beaucoup, beaucoup, beaucoup moins sévère que le premier. Vraiment moins sévère. Donc, comme si, et même sur le terrain, quand j'y étais, je ressentais que les personnes n'étaient pas particulièrement inquiètes parce qu'elles avaient probablement déjà vécu quelque chose de très dur. Et je crois, après ça c'est vraiment très subjectif, je crois qu'il y a également un désir des autorités de ne plus fermer, en tout cas des autorités locales, puisque
Modi s'est déchargé totalement de sa responsabilité auprès des gouvernements des États, a pris absolument aucune décision à partir de ce qui lui est reproché très sévèrement d'ailleurs. Mais les gouvernements centraux ont eu cette politique de ne pas verrouiller totalement les circuits économiques, les déplacements économiques. Donc on pouvait enfin en gros passer ce que moi j'ai fait un peu presque tous les jours. On pouvait très bien circuler dans le Tamil Nadu. Il y avait des barrages de police, mais qui n'empêchaient pas les mouvements de marchandises. Donc, ce que je veux dire, c'est que voilà, on a eu les effets de très court terme d'un premier confinement. On aura, je le pense, puisque nous repartons sur le terrain maintenant que tout ouvre totalement, enfin presque, disons dans 15 jours, tout va reprendre. J'ai pas trop de doutes, en tout cas dans le Tamil Nadu. Nous pourrons aller observer. Justement, avec des nouveaux ménages, cette fois, les effets de très court terme de ce deuxième confinement, ce qui vous comprenez, est une configuration assez, je dirais, exceptionnelle. Et puis, je ne peux pas le dire de cette manière-là, mais nous nous trouvons de fait observateurs de quelque chose par la force des circonstances. Ce qu'on n'avait pas prévu, comme tout le monde, hein, d'ailleurs, cette pandémie. Mais l'enquête, on l'avait prévu déjà. Merci, Jalil. Il va falloir qu'on en reste là pour que les gens puissent retourner à leurs petites affaires. Alors, merci à tous les deux, encore une fois, pour votre contribution. Et moi, je regrette de ne pas avoir pu poser mes questions, mais ce sera pour une autre fois. Il y avait trop de questions soulevées et répondues. Juste pour terminer, j'annonce la prochaine séance qui aura lieu donc le vendredi 25 juin. Qui, si je ne fais pas erreur, sera la dernière séance de l'année scolaire et qui portera sur les vaccins et la production de vaccins dans les pays du Sud à partir de deux présentations. L'une de Niels Graber qui sera sur le vaccin cubain et l'autre de Soman Singh qui sera sur la production de vaccins par l'Inde. Et donc, Niels Graber étant de l'Université de Lausanne, et Soman de Drugs for Neglected Disease Initiative. Voilà. Donc, encore une fois, merci à tout le monde pour votre merci à vous de votre attention, votre contribution. Merci. Merci à vous. Merci. Merci Isabelle. Merci Khalil. Merci Mathieu. Merci tout le monde. Merci, à bientôt. Christophe. À bientôt. Merci. Tout le monde.